les amis, bonjour, bonjour. Désolé de ce retard de 11 minutes précisément, vraiment désolé. Ce sont les aléas du direct aussi. J'espère que tout le monde est là et que vous partagez notre rendez-vous actuellement. Vous pouvez venir partager, inviter des frères, des bien-aimés, des amis. N'oubliez pas de partager. Le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous faire à tous du bien, à nos proches aussi, à nos familles. Donc, ne vous lassez pas de faire le bien. Partage, partage et viens à ce rendez-vous d'un miracle pour toi aujourd'hui intitulé Au-delà de tout. Nous refusons d'admettre que Jésus-Christ est venu se sacrifier pour nous pour rien. Je m'explique, c'est-à-dire le fait que depuis longtemps, depuis belle lurette, qu'on présente un Christ, un Dieu qui, pour donner à ses enfants doivent souffrir, doivent trimer, c'est le dur labeur. C'est la pénitence. Nous refusons de croire en un tel Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Et il a dit avant de partir que nous ferons autant de miracles que lui, voire même de plus grands miracles que lui. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi les gens souffre pour obtenir des choses de Dieu, pour être exaucé, alors que le Seigneur lui-même nous a dit que si vous qui êtes méchants, en parlant de l'homme, vous en arrivez à donner de très belles choses, de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison lui, le Père? Donc, je crois que les enfants de Dieu, une fois que l'on est enfant de Dieu, on n'a plus besoin de souffrir, on n'a pas besoin de maigrir, on n'a pas besoin de répéter un milliard de fois les mêmes choses, on n'a pas besoin de se rider le visage, on n'a pas besoin d'avoir une vie pleine de nuits blanches ou d'insomnie, on n'a pas besoin de cela, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir des choses, d'obtenir des faveurs que même les païens, que même ceux qui ne connaissent pas Dieu obtiennent sans souffrir, sans prier, sans gémir, sans difficulté. Donc, bien-aimé, je crois de tout mon cœur et le Saint-Esprit voudrait que je ne me lasse pas de te faire passer le message qu'il est venu donner sa vie pour toi, afin que tu vives une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10. C'est le voleur qui vient détruire. C'est lui qui a posé des difficultés dans ta vie. Nous arrivons et nous héritons de certaines choses. Il y a des liens familiaux, il y a des héritages maléfiques. Hier, je parlais avec une personne. Son grand-père est mort à un certain âge. Son père est décédé au même âge. Et l'un des oncles aussi mort au même âge. Donc on voit bien qu'il y a un lien de la mort précoce qui se trouve dans la famille. Et il y a plusieurs genres de liens qui suivent les gens. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de ces choses, pour nous délivrer de la captivité. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 8, verset 1, il est dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais aller plus loin. Dieu est vraiment venu et tout le travail qu'il a fait de te débarrasser des ténèbres, c'est pour te donner une vie épanouie. Et cette vie épanouie est logée dans ton héritage en Christ.
Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as droit à ton héritage, la vie agréable, une bonne vie, un bon job, un joli foyer, le bonheur, l'amour. Tu as droit à la bonne éducation. Tu as le droit de voir tes enfants réussir dans leurs études. Tu as le droit par la résurrection, la rédemption, le rachat opéré par Christ pour toi. Tu as le droit de réussir là où hier tu avais échoué. Là où les gens disent que c'en est fini pour toi, tu as le droit d'aller de l'avant. Et Dieu, pour te prouver à suffisance qu'il est vraiment venu pour ton bien, il te le précise de nouveau. Non, pas seulement en Matthieu chapitre 6, verset 33, où il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et en Éphésiens chapitre 3, verset 20, notre texte de base aujourd'hui, là-bas il est dit que par lui, lui il est celui en qui tu vas obtenir toute chose au-delà même de tes attentes. Je te lis le texte intégral. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, au-delà même, infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé, de tout ce que tu demandes. Il a déjà prévu de te donner au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu attends. Maintenant, tu vas me poser la question, mais comment est-ce que Dieu va me donner, par quel mécanisme? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut que je remplisse pour que je reçoive de Dieu au centuple, voire plus? Mais c'est très simple. Si tu ne connais pas encore Dieu, parce que l'héritage en Christ, les promesses divines, les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin, Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 24. Tu liras là-bas. Toutes ces choses-là, toutes ces bontés-là, ont un cheminement. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte d'accès. Et la première porte, je t'y invite, c'est celle qui consiste à devenir enfant de Dieu, à donner ta vie pour Christ. Une vie pleine et entière, consacrée à l'obéissance à Dieu d'une part, et aussi à la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que tu puisses apporter ta contribution au progrès de l'humanité, aux avancées de ta famille, de ton quartier, de ton pays. Tu as une contribution à apporter. Tu dois apporter ta pierre à cet édifice-là. Et Dieu a déjà placé en toi ce qu'il faut, le nécessaire, l'essentiel, les outils, les dons, les charismes, les talents qu'il faut pour qu'émerge en toi la vérité divine qui apporte le secours, qui apporte la prospérité, l'abondance, qui permet de résoudre les problèmes d'autrui. Donc, tu dois d'abord devenir enfant de Dieu. Et c'est le premier palier à franchir. Et je t'invite maintenant à faire cette courte prière avec moi. Si tu n'es pas encore en Christ, ou si tu veux reconsacrer ta vie, redédier ta vie à Christ, te réconcilier avec Dieu que tu as peut-être trahi il y a quelque temps, que tu as peut-être abandonné, découragé. Fais cette courte prière afin que tu franchisses avec nous, en même temps que nous, le premier palier qui mène à l'abondance, qui mène
à la table du Seigneur où tu pourras te servir sans limite. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici. Je viens d'entendre ta parole qui dit que il n'y a que ceux qui t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur qui peuvent avoir part à ta table, sur laquelle sont disposées toutes les promesses, ainsi que un héritage en Christ. J'accepte cela. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Aie pitié de moi. Que ton sang me lave et me purifie. Viens désormais vivre dans mon cœur comme mon directeur, le directeur de ma vie. Dirige mon existence, oriente mes actes, inspire mes paroles, débarrasse-moi des ténèbres et que ta lumière demeure en moi en permanence. Merci Seigneur, je crois par la foi que je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Amen. Deuxième palier à atteindre dans ce cheminement qui va te conduire au rendez-vous divin, un rendez-vous que Dieu te fixe. Et lorsque tu vas arriver à ce rendez-vous-là, tu auras au-dessus de tout ce que tu peux demander au Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit ni inventé, c'est la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et Matthieu chapitre 6, verset 33 aussi met un accent sur ce que le Saint-Esprit veut que tu me retiennes. Le deuxième palier, donc, c'est la connaissance. Et cette connaissance-là, elle est stipulée, elle est précisée en 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 7. Tu liras là-bas. Cette connaissance doit te permettre, une fois que tu es né de nouveau, nous sommes maintenant tous nés de nouveau, doit te permettre d'avoir à l'esprit la vérité de Christ, de savoir que Christ t'a pardonné tous tes péchés, il t'a blanchi, toi qui étais injuste, nous qui étions pécheurs, il nous a justifiés, il nous a glorifiés, il nous a sanctifiés. Et tu es maintenant agréable à Dieu parce que tu es passé par la résurrection. La résurrection te donne immédiatement droit au rachat après avoir été bénéficiaire de la rédemption. C'est-à-dire, tu es devenu une personne que Dieu, par son amour, relance dans la bonne marche, dans la bonne direction qui mène à la réussite de la vie. Donc tu dois avoir cela à l'esprit. Un, né de nouveau, étant enfant de Dieu, pleinement membre des gens de la maison de Dieu. Deux, donc, être conscient que j'ai été pardonné de toutes mes défaillances, de mes errances, de mes péchés, de mes échecs, de mes faiblesses. Peu importe le crime, peu importe le péché. Je ne sais pas si tu dois quelque chose et à qui, mais Dieu t'a pardonné. Tu n'as peut-être pas tenu un engagement. Dieu t'a pardonné. Tu as fait du mal à autrui d'une manière ou d'une autre, mais Dieu t'a pardonné. Par là, cela veut dire que ceux qui t'ont aussi fait du mal, qui te rejoignent dans le royaume de Dieu ou qui t'y ont précédé, Dieu les a aussi pardonnés. Donc, à charge pour toi aussi de les libérer dans ton cœur et de les pardonner. Donc, naître de nouveau, avoir conscience que l'on est le fruit
et bénéficiaire de la résurrection, la rédemption, du rachat. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Tu méditeras, tu comprendras que tu ne peux plus être accusé de quoi que ce soit. Primo. Segundo, l'ennemi, le diable, les démons ont déjà été vaincus et ils ont été traînés dans la boue, humiliés, pour qu'ils ne puissent plus te faire du mal. Tu n'as plus à rester dans la maladie. Tu n'as plus rien à faire là-dedans, dans le chômage. Tu n'as plus rien à faire dans la stérilité. Ce que tu entreprends doit marcher à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu. Le mécanisme qui mène à ton succès est lancé. Et Dieu dit que tu auras au-delà même de tes attentes. Mais tu dois être conscient du cheminement qui mène à cette abondance-là, promise par Christ. Troisièmement, tu dois avoir à l'esprit, tu dois avoir conscience que, comme l'ennemi a été vaincu en Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, tu dois avoir conscience que il ne peut plus te nuire. Tu dois en avoir conscience parce que Job a dit en Job chapitre 3 verset 25 que c'est ce que je crains qui m'arrive. Les gens, même en devenant enfants de Dieu, marchent dans la crainte. Je suis souvent triste. J'ai une personne au téléphone. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah! Ou bien, j'entends dire, oh, si tu savais. Ou bien, non, il y a, chez beaucoup de personnes, c'est le défaitisme, la peur, le doute qui débute chacune des phrases qui vont sortir de la bouche de la personne. Déjà, le salut commence par la négativité. Attention à cela, Job a bien précisé. Que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, tu dois être conscient que le mal ne peut plus t'atteindre, que tu n'es plus sous l'œil du diable ni des démons. Les ennemis ne peuvent plus rien te faire. Puisque, en devenant enfant de Dieu, en étant fruit, bénéficiaire, de la résurrection, Dieu te place à un endroit où l'ennemi ne peut plus te faire du mal, puisque le diable n'a pas la capacité d'aller mettre sa main, son doigt, son pied dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Il va cramer, il va brûler. Donc ta marche devient sécurisée. Tu n'as plus à faire des cauchemars. Tu ne dois plus manger dans tes songes de la viande qui spirituellement correspond à la chair humaine. Nourriture frelatée, diabolique, du poison. Tu ne dois plus boire dans ton sommeil ce qui est du poison. Et tu es en lieu sûr puisque Dieu te le fait comprendre. Et c'est ce que tu dois comprendre. En Colossiens chapitre 1 verset 13. Une fois que tu es arrivé dans le royaume de Dieu, tu as accepté le Seigneur. Tu es devenu bénéficiaire, un héritier des diverses grâces de Dieu sur terre. Et que tu bénéficies aussi d'une sécurité permanente, de nuit comme de jour. Colossiens chapitre 1 verset 13. Il t'a transporté. Et tu es maintenant assis à la droite de Dieu. Et Satan ne peut pas arriver là où se trouve Dieu.
Maintenant, pour en bénéficier, pour vivre dans la paix, comme le Seigneur Jésus qui dormait dans la barque pendant qu'il y avait la tempête. Et ceux qui n'avaient pas la paix de Dieu sur leur cœur ont hurlé, crié dès que la tempête s'est levée. Mais le Seigneur dormait tranquillement. Puisque lorsqu'on a Dieu, ou on a Dieu, ou on n'a pas Dieu. Et si on a Dieu, ça doit se voir, ça doit se savoir. Et si on ne l'a pas, ça se saura. Ta théorie, tes propos ne pourront pas convaincre les gens que Dieu est avec toi. Non, ce sont des actes, des faits, des choses bien précises, des miracles, des signes, des merveilles de Dieu, les seuls à pouvoir convaincre quiconque, à mettre tout le monde d'accord, même les païens, que Dieu est avec toi. Et c'est là où le Seigneur voudrait que tu en arrives à comprendre que ta marche en Christ est sécurisée. Donc, dans le cheminement de la vie prospère, du vécu de ton réel héritage en Christ, on a dit un, la nouvelle naissance. Deux, être conscient que je suis bénéficiaire de la résurrection. Et que tout ce que Christ est venu, Jésus-Christ est venu faire, c'est pour moi, pour mon intérêt. Et vu qu'il m'a rendu bénéficiaire, ces bénéfices-là doivent maintenant se manifester dans ma vie, être visibles, ne pas rester théoriques. Troisièmement, tu dois avoir à l'esprit que ta marche est désormais sécurisée, jour et nuit. Les enfants d'Israël, la journée, se déplaçaient accompagnés au-dessus de leur tête par la nuée de l'Éternel. Et la nuit, c'était le feu dévorant qui les sécurisait. Et Dieu n'a pas changé. Mais avec toi, c'est pareil. Mais à condition que tu comprennes ces choses, que tu en sois consciente, conscient. Parce qu'il n'y a pas un soldat d'une armée qui va être dans une armée ou qui va aller en guerre ignorant de quelle tenue il est vêtu, ignorant pour qui, pour quel pays il va faire la guerre, ignorant qui est l'ennemi, ignorant par quels moyens ils seront ravitaillés une fois au front. Non, les enfants de Dieu doivent être conscients de tout ce que Christ est venu faire pour notre bien, afin d'être à même d'en manger les fruits, de manger les fruits du travail accompli par Christ pour nous, puisque lui a dit, Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Et nous, derrière, en venant dans le royaume de Dieu, il nous reste seulement très facilement à rafler la mise. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Quatrièmement, pour manger cet héritage en Christ, pour vivre une vie épanouie, une vie de réussite. Mais il faut être conscient des pouvoirs que Dieu t'a donnés en devenant enfant de Dieu. Tu liras cela en Marc chapitre 16, versets 17 à 18, et en Luc chapitre 10, verset 19. Tu es bénéficiaire des pleins pouvoirs qui te permettent de fermer la bouche de Satan, de lier les démons, de les mettre dehors de ta maison, de tes affaires, de ton mariage, de ton job. Tu es à même d'annuler toutes les mauvaises paroles prononcées sur ta vie, paroles de malédiction, la poisse qui t'est souhaitée par qui que ce soit. Tu es à même par la puissance que Dieu t'a donné d'annuler cela, de fermer la gueule des ennemis, d'anéantir le mal, de détruire les œuvres du diable. Dieu le fera par toi. C'est pour ça que
Il va te donner au-delà même de tes attentes, non pas par une autre personne, non, par le Saint-Esprit qui est en toi, par la puissance qui agit en toi. Ça sortira de toi. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ça ne viendra pas de Mars, ni de Pluton. D'ailleurs, non, ça sortira de toi. Mais tu dois en avoir la conscience. Tu dois en être conscient, consciente. Et Jésus est venu comme pour mieux te faire comprendre ces choses. En Marc chapitre 6, versets 30 à 44, tu liras cette histoire de la multiplication des pains. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais cela a produit du ravitaillement pour plus de 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Dieu n'a pas changé. Cette abondance-là, il te l'a donnée en héritage aussi. Ça viendra de toi. Raison pour laquelle, lorsque le problème s'est posé, en Marc chapitre 6, à partir du verset 30, à un moment donné, au verset 36, les disciples voulaient renvoyer la foule, aller chercher le secours chez les païens, aller en ville, chercher du secours. Jésus a dit non. Marc chapitre 6, verset 30 à 44, tu liras. Arrivé au verset 37, Jésus leur dira non. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même, apportez-leur la solution. Créez vous-même des emplois pour eux. Donnez-leur la somme dont ils ont besoin. Mettez fin vous-même à cette crise économique. Parce qu'en vous, il y a ce qui peut produire. Et l'argent, et les biens matériels, et tout ce qui peut concourir au progrès de l'humanité. La résurrection, tu dois le savoir, est le canal par lequel Jésus est venu t'apporter cette vie abondante. Luc chapitre 24, tu diras à partir du verset 5 à 6, et après tu iras lire au verset 21, juste au verset 21. Même ceux qui avaient connu le Seigneur, et c'est le modèle de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, n'avaient pas compris en quoi consistait la résurrection, pourquoi Christ était venu se sacrifier pour l'humanité, pour toi, n'avaient pas compris, n'ont pas compris. Mais Dieu est venu pour te permettre de réussir dans toutes tes entreprises. Les gens n'avaient pas compris, aujourd'hui aussi, beaucoup d'églises mortes. Les païens, en général, ne respectent pas les chrétiens, ne voient pas des choses dignes de Dieu être créé par les chrétiens, sortir d'eux. Et la Bible déclare en Luc chapitre 24, au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, donc la mort physique de Jésus, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Les gens n'ont pas compris. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas. C'est pour ça que les vies tournent en rond, ça patauge. Ça avance dans le néant. Parce que la résurrection, c'est pour ton bien. Et c'est cette résurrection qui apporte le secours dans tous les domaines de ta vie, toutes les situations. Mais à condition de comprendre ce qui s'est passé.
de comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit qui vit en toi est venu faire et comment il va le faire. Tu dois le comprendre. Aller à l'église, c'est bien, mais si c'est une vie qui consiste à aller à l'église et à demeurer dans le chômage éternellement, ou dans la maladie, ou aller de divorce en divorce, ou être plongé dans un célibat éternel, mais ça ne rime à rien. Donc ça veut dire que Jésus n'a rien fait. Il n'est venu rien faire. Or non, Dieu ne fait rien pour rien. La résurrection est venue pour te donner la vie et la vie en abondance. Et tu as droit à cette vie. Tu dois la vivre. Et Dieu a promis te donner au-delà, tous les jours et à chaque fois, au-delà de toutes tes attentes, de toutes tes espérances. Mais cela ne tombera pas du ciel. Il faut que tu comprennes ce qu'il est venu faire sur terre. Ensuite, ce qu'il est venu faire en habitant en toi, et que tu comprennes bien là où il t'a placé, que ta vie est maintenant sécurisée de jour comme de nuit, qu'il t'a donné les pleins pouvoirs pour agir, et que Satan ni les démons ne peuvent plus rien faire contre toi. Ils ont été déjà vaincus. Tu dois avoir cela à l'esprit avant que tu puisses pleinement bénéficier, vivre, toucher ton héritage en Christ. Sinon, ta marche en Christ sera vaine et demeurera vaine. Sinon, pour les païens, tu seras une menteuse, un menteur qui se fait passer pour une personne qui connaît Dieu ou que Dieu connaît. Mais étrangement, les preuves manquent toujours à l'appel. Une dame qui a écouté un tel message, tel enseignement, qui était consciente que le chômage dans lequel elle était plongée, avec un mari pasteur, elle était plongée dans un chômage chronique depuis plusieurs années. Prière zéro. Jeûne, rien à faire. Dormir par terre, aucun résultat. Pleurer, zéro. La vie ne changeait pas. Beaucoup parler ou dire qu'elle est enfant de Dieu, non, 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 non. Beaucoup chanter sans comprendre, ça n'a pas marché aussi. Mais un jour, écouter la parole de sagesse. Elle a enfin compris que, c'est-à-dire, Jésus n'est pas venu faire du tourisme. Il est venu pour une grande œuvre afin que ta vie soit radicalement changée et que tu te retrouves en haut et non en bas. Lumière du monde. Celle de la terre. Les gens doivent voir l'épreuve. Elle a cru au message. Elle a cru. Et elle a décidé d'aller dans une nouvelle orientation dans sa marche chrétienne. Au lieu de se satisfaire des miettes ou d'une espèce de mensonge, en fait, puisqu'il n'y a pas de preuve que Dieu est là. Elle a décidé de faire autrement afin vraiment de saisir, de toucher, de manger son héritage en Christ. La vie abondante, réussite dans tous les domaines de la vie. Elle se retrouve dans sa galère un jour à Londres. Elle doit prendre un taxi. Et au moment où elle entre dans le taxi, lorsqu'elle ouvre la portière, elle veut entrer, elle sent une odeur nauséabonde se dégager et elle a voulu refermer la portière.
Elle a entendu le Saint-Esprit lui dire, entre là. Faut faire attention. Lorsqu'on marche avec Dieu, on marche selon ses instructions, selon l'Esprit de Dieu et non la chair. Beaucoup dans la galaxie chrétienne, ça ne marche pas parce que malgré les enseignements, malgré les chants, malgré les activités, en réalité, la marche demeure charnelle. La marche est accolée au modèle du monde. Avec Dieu, ça ne peut pas marcher, puisque la foi authentique a son canevas. Et la dame entre pour obéir à Dieu, elle entre dans ce taxi qui était conduit par un Indo-Pakistanais. Ils sont sur le trajet en train d'échanger comme ça et le monsieur demande à la dame si elle connaissait une structure qui pouvait livrer en grande quantité. Depuis l'Afrique, de l'huile d'arachide. Et la dame lui demande pourquoi. Et le taxman lui explique, non, j'ai conduit un diplomate d'un pays d'Asie qui m'avait demandé, et il m'a redemandé, parmi les gens que tu conduis, n'y a-t-il pas quelqu'un qui connaît où est-ce qu'on peut se procurer auprès d'une structure de l'huile venue d'Afrique d'arachide, mais en grande quantité. Et ce jour-là donc, il demande à la dame. Il lui pose la question. Sachant que la femme est au chômage. Et dit au taximan qu'elle peut connaître. Et le taximan immédiatement l'emmène à cette ambassade du diplomate. Il présente la dame au diplomate. Et le diplomate lui expose la demande, la recherche de son pays. L'huile d'arachide, mais venue d'Afrique. Bonne qualité. La dame promet au diplomate de faire de son mieux pour que leur demande puisse avoir une suite favorable quelque part. Elle prend son téléphone, elle passe des appels, elle se déplace, elle va sur place en Afrique et elle trouve une structure qui peut livrer l'huile d'arachide sollicitée par ce pays qui a tant besoin en Asie de cette huile. La première livraison, la livraison demandée a lieu quelques mois après. Et la femme qui était au chômage depuis des années, a reçu pour la première livraison d'une immense quantité d'huile d'arachide livrée par des tankers. Elle a reçu, c'était un marché de 90 millions de dollars. Ça ne s'est pas arrêté là. Souviens-toi, elle cherchait un job. Elle était au chômage. Mais Éphésiens 3, chapitre 20 dit que Dieu te donne et te donnera au-delà de tes attentes. Mais à partir de quelque chose qui partira de toi-même. Et il t'a disposé le Saint-Esprit en toi. Il est dit la puissance qui agit en toi pour y parvenir. Une deuxième commande est immédiatement passée.
Et la deuxième commande est une livraison encore plus importante qui rapportera 390 millions de dollars. Ce que Dieu a fait pour cette dame qui était dans un chômage chronique, malgré qu'elle soit épouse d'un pasteur, malgré son investissement dans l'œuvre de Dieu, malgré ses sacrifices, la vie ne changeait pas. Mais lorsqu'elle a écouté la parole de vérité, lorsqu'elle a décidé de ne plus se contenter des miettes, lorsqu'elle a, par la prise de conscience, compris qu'elle n'était pas devenue enfant de Dieu pour avoir la même vie qu'elle avait avant, et qu'elle n'était pas devenue enfant de Dieu pour poursuivre un accompagnement de ceux qui réussissent dans la vie et qui ne connaissent même pas Dieu. À partir de là, quand elle a compris l'objectif de la venue de Christ et ce que Christ avait laissé en elle et pourquoi faire, lorsqu'elle a compris sa véritable identité en Christ, son positionnement, sa véritable nature en Christ et les privilèges mis à la disposition des enfants de Dieu, la vie a changé pour elle. Le vœu de mon cœur est que ce témoignage de ce que Dieu donne toujours au-delà de ce que nous espérons puisse se reproduire dans ta vie. Je te laisse le devoir suivant. Médite tous les passages, tous les versets bibliques que nous venons de voir ensemble, que j'ai cités. Médite-les. Décide de comprendre ce que le Saint-Esprit a dit. Pose tes demandes au Seigneur une fois que tu as compris et que tu auras décidé de marcher autrement, de croire véritablement et d'avoir conscience de ce que ta nouvelle identité en Christ te permet de manger comme vie abondante. Que Dieu te bénisse. On se retrouvera demain à 13h. Mais bon devoir, bonne méditation. Partagez, soyez abondamment bénis. Le Seigneur est bon, il est toujours là, il est vivant, omniprésent. On se retrouve demain à 13h. Au revoir.